Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter en ce week-end frileux et pluvieux comment faire un deuxième bonnet. Donc ça fait partie des quatre bonnets que j'allais vous proposer à offrir pour Noël. Donc cette fois-ci, c'est un bonnet pour femme ou adolescente, ça marche aussi. Il est vraiment bien chaud parce qu'il est en fait en relief. J'ai utilisé le point côte perlée. Je vous fais voir ce que le bonnet donne. Donc moi, j'ai un tour de tête de 55 cm. Donc il me va un tout petit peu grand, mais comme ça, ça permettra d'aller à tout type de tête pour femme. Voilà ce que ça vous donne. Je l'ai doublé pour qu'il soit vraiment encore plus chaud. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et pensez à cliquer sur la petite cloche pour pouvoir être alerté de toutes les vidéos qui sortent. Donc là, vous allez avoir encore deux autres bonnets qui vont sortir dans les prochaines semaines avant Noël à offrir, et vous aurez aussi accès à plus de 200 vidéos sur du tricot, crochet, recettes, etc. La vidéo d'aujourd'hui est particulière parce que c'est ma toute première vidéo avec un nouveau matériel que j'ai acheté pour filmer, donc c'est une nouvelle caméra. Est-ce que vous pouvez me donner votre avis par rapport au son, par rapport au zoom, si c'est trop près, si ça va, par rapport à la lumière Voilà, donc comme tout est nouveau pour moi, j'attends votre retour si c'est bon ou s'il y a des choses à améliorer, à ajuster. Je vous remercie. Pour le matériel, vous aurez besoin d'une paire d'aiguilles numéro 6, un mètre ruban, une paire de ciseaux, un pompon et trois pelotes de laine de 50 g. J'ai utilisé une couleur vert kaki légèrement plus claire. C'est de la laine qui se tricote pour des aiguilles numéro 4 que je vais doubler. Donc si vous ne souhaitez pas doubler votre laine, vous prenez, je vous conseille de prendre de la laine pour des aiguilles numéro 6. Pour mon échantillon de 10 x 10 cm, j'ai utilisé des aiguilles 5,5 parce que je tricote très lâche, ce qui équivaudrait pour une personne qui tricote normalement des aiguilles de 6. Mais je vous conseille quand même de faire votre échantillon. Donc moi, mon échantillon, ça fait 15 mailles pour 14 rangs. Vous gardez environ 2 mètres de fil et vous allez commencer à monter 80 mailles en doublant votre fil si vous faites comme moi, ou 80 mailles si vous utilisez votre laine numéro 6. Une fois que vous avez monté toutes vos mailles, nous allons faire des côtes 1-1. Donc pour faire des côtes 1-1, on va faire la première maille à l'endroit. Le fil, on le ramène vers nous et la deuxième maille, je vais la faire à l'envers. Je repasse le fil à l'extérieur et une maille en droit. Je ramène le fil vers moi, une maille envers. Vous allez faire ceci, donc toute la rangée numéro 1, vous allez faire une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, etc. Vous devez terminer votre dernière maille par une maille envers. Étant donné qu'on a terminé avec une maille envers, vous allez commencer votre première maille en faisant une maille en droit. Et vous ferez ceci tous les prochains rangs. Donc tous les débuts de rang, vous commencerez par votre première maille à l'endroit. Puis la maille suivante à l'envers. Et vous allez répéter ceci. Donc tous les rangs, ce sera, et ça sera toujours la même chose. En fait, c'est le côte 1-1. Un coup de maille en droit, un coup de maille envers. On va monter sur un total de 10 cm de hauteur. Pour ceux qui souhaitent donc faire un rebord de bonnet comme moi, vous allez monter sur 10 cm. Pour ceux qui souhaitent faire un bonnet tout simple sans rebord, 5 cm sera suffisant. Une fois que vous arrivez donc sur vos 10 cm, donc moi j'ai même fait 10,5 cm de hauteur en côte 1-1, nous allons faire cette fois-ci le côte perlé. Voilà ce que ça vous donne et je vais le
je le doublerai comme ceci, comme ça, ça me fera un rebord. Donc, pour faire le côte perlé, regardez ce que ça vous donne dans un sens et dans l'autre. Donc là, vous voyez, quand il est étiré, ça vous fait comme un côte 1-1, ça ressemble beaucoup, mais vous voyez que ça ressort beaucoup plus, cette partie comme ça de jersey ressort plus. Et sur l'arrière, regardez ce que ça vous donne. Ça vous fait moins espacé en fait. Ça vous fait un jersey bien épais, bien en relief. Donc comme ça, vous aurez l'avantage de pouvoir choisir quel côté vous préférez. Donc si vous préférez le côté beaucoup plus épais ou beaucoup plus fin. Pour faire le côte perlé, je vais faire ma première rangée, toutes mes mailles à l'endroit. Donc vous allez faire toute votre rangée à l'endroit. Il faudra bien faire attention de bien vous rappeler, donc on va dire tous les rangs impairs, le rang 1, 3, 5, etc. Vous tricoterez toujours votre rangée à l'endroit. Pour la rangée suivante, donc ce sera tous les rangs pairs, le rang 2, 4, 6, etc. Vous allez faire toujours de la même façon. Donc là vous voyez, vous avez cette partie-là, où vous avez tout le côté envers puisque vous avez tricoté à l'endroit de l'autre côté. Donc, la première maille, je ne vais pas la tricoter, je la passe comme ceci, comme si j'allais la tricoter en avant. Ensuite, la deuxième maille, je vais la tricoter à l'envers, normalement. La troisième maille, vous voyez là, vous avez la partie jersey. Je vais la tricoter comme si j'allais la tricoter à l'endroit, mais au lieu de la passer dans la maille en haut, je vais la passer dans la maille du bas. Vous voyez cet espace qui est là? Je vais passer mon aiguille dedans. Ensuite, je reviens, je ramène le fil vers moi et je tricote une maille envers normale. J'éloigne le fil et cette fois-ci, au lieu de tricoter à l'endroit normalement, je vais tricoter dans l'espace qui est juste en bas, comme ceci. Alors, si vous perdez le fil, vous voyez que dans votre côte 1-1, vous avez la partie jersey et la partie envers. Quand vous êtes sur la partie envers, vous tricotez à l'envers normalement. Et quand vous arrivez sur la partie jersey, vous tricotez à l'endroit, mais dans la maille qui est juste en dessous. Donc ça, ce sera bien sûr pour les rangs pairs, 2, 4, 6, 8, etc. Puisqu'on a dit pour tous les rangs impairs, donc tous les rangs suivants, ce sera toute la rangée à l'endroit tout simplement. Donc en fait, on va répéter ces rangs 1 et rang 2 à chaque fois. Donc pour calculer la hauteur totale, je vais doubler donc ma partie du bonnet côte 1-1. Voilà, je le plie à peu près comme ça. Il faut que ça fasse une hauteur de 20 cm avant de commencer à faire les diminutions. Donc là, voilà, j'ai 20 cm. Pour ceux qui ne souhaitent pas doubler cette partie-là, vous avez fait vous 5 cm. Pareil, il faut que ça vous fasse 20 cm de hauteur totale avant de commencer les diminutions. Pour les diminutions, ça va aller très vite. En fait, il n'y a que 3 rangs de diminution, donc c'est pour ça que votre bonnet est aussi long dès le départ. En général, un bonnet femme, je commence les diminutions vers 18 cm parce que c'est sur 5, 6, voire 8 rangs. Là, étant donné qu'il n'y a que 3 rangs de diminution, c'est pour ça que votre bonnet doit faire dans les 20 cm avant de commencer cette diminution. Pour le rang de diminution, le rang numéro 1 correspond au rang 2 du côte perlé. Donc là, vous avez terminé toute votre rangée à l'endroit et c'est à ce moment-là qu'on commence les diminutions. Donc là, je vais commencer ma première rangée de diminution en faisant 3 mailles. Je vais prendre ensemble les 3 premières mailles et je vais les tricoter à l'envers.
Ensuite, je vais prendre les trois mailles suivantes, mais cette fois-ci, je vais les tricoter à l'endroit. Donc, je vais faire de 3 en 3, de 3 mailles en 3 mailles, des diminutions comme ceci. Et j'ai commencé ma toute première diminution par une diminution en vert et la suivante à l'endroit. Et vous allez comme ça faire toute la rangée, un coup à l'envers, un coup à l'endroit. Donc là, la troisième, je vais la faire à l'envers. La quatrième à l'endroit. Après la première rangée de diminution, de 79 mailles, vous allez passer à 27 mailles. La deuxième rangée, vous allez tricoter toute votre rangée à l'endroit, donc ce qui correspond à votre rang numéro 1 des côtes perlées. Toute la rangée à l'endroit sans faire de diminution. Pour le troisième et dernier rang de diminution, vous allez faire des diminutions deux par deux. Donc c'est moi, je vais commencer par faire les deux premières ensemble à l'envers. Puis après, les deux suivantes, je vais les faire à l'endroit. Mais je pense qu'il n'y a pas vraiment d'ordre. Vous faites comme vous voulez. Et vous allez faire ceci toute la rangée. Donc de deux par deux, un coup en faisant une maille envers, un coup en faisant une maille endroit. Dans le dernier rang de diminution, on est passé de 27 mailles restantes à 14 mailles. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une aiguille à laine. Je vais passer mon aiguille dans chaque maille restante. J'ai laissé suffisamment de fil pour pouvoir passer dans les mailles et coudre le bonnet. Il ne vous reste plus qu'à choisir quel côté des deux vous plaît le plus. Donc moi, j'ai une petite préférence pour la partie où c'est un peu plus épais. Donc cette partie-là, je vais la garder comme partie endroit et la partie celle-là, je vais la considérer comme une partie envers. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre donc la partie qui me plaît le moins endroit pour pouvoir la coudre et après je retournerai cette partie. Donc, vous resserrez bien vos mailles et je vais faire quelques points de couture pour pouvoir bien resserrer la partie du haut. Votre bonnet est presque terminé, il vous reste plus qu'à mettre une petite touche décorative. Donc moi j'ai acheté des pompons qui sont vraiment très très pratiques, comme je vous l'avais dit dans la vidéo antérieure avec le bonnet homme point de riz. J'ai acheté des bonnets où ça a juste à se clipser en fait. Donc j'ai juste à coudre cette partie-là en haut du bonnet, faire un petit point de couture et vous avez plus qu'à clipser votre pompon. Vous trouverez en bas des explications de ma vidéo le lien avec tout le matériel que j'ai utilisé pour la vidéo. Je vous présente le résultat final. Donc, c'est un bonnet pour femme ou pour adolescente. Il est vraiment très chaud, le rendu est super sympa. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir!